Ma sœur Anna et moi, donc Véronique, que vous commencez à connaître maintenant. Donc aujourd'hui, nous allons vous apprendre à coudre un sac très chic en simili-cuir. Il se coud très rapidement. Vous allez voir qu'en 30 minutes, vous aurez votre sac en main. Avant d'attaquer notre tutoriel, je remercie tout d'abord tous les nouveaux abonnés et tous les autres pour votre fidélité. Et bien évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer tout plein de likes si vous aimez et appréciez nos tutoriels et surtout si vous reproduisez nos sacs ou tout autre do it yourself que nous faisons, que ce soit sur le blog ou sur la chaîne, n'hésitez pas de nous envoyer des photos et nous allons poster tout ça sur notre page Facebook. La particularité de ce sac tote bag se situe au niveau de la technique de couture qui se réalise sur l'endroit. Comme nous aimons apporter ce petit plus à nos réalisations, si vous avez l'habitude d'aller sur le blog, on a toujours notre sister touch, donc la petite touche personnelle que nous apportons à nos créations. Donc ici, ce que nous avons fait, nous avons utilisé du thermocollant double face pour coller directement notre tissu en coton sur le simili-cuir. Donc ce qui fait que nous avons une doublure trempe-œil, en fait ce n'est pas une doublure comme telle, elle est collée et en plus de ça, ce qui est chouette dans tout ça, c'est que ça apporte de l'allure à notre sac. Si vous confectionnez ce tote bag, utilisez de préférence un tissu rigide qui ne s'effiloche pas lors de la coupe. Donc comme vous voyez, on a coupé juste avec les ciseaux directement sur le simili-cuir et comme ça, ça donne à notre sac ce petit côté vintage. Et ce que vous pouvez faire donc, c'est d'utiliser un tissu qui est plutôt rigide, qui ne s'effiloche pas à la coupe. Je me répète, comme le cuir, le simili-cuir indien épais ou de la suédine. Cependant, n'utilisez pas n'importe quel tissu en simili-cuir si vous décidez de coller une doublure comme nous. Alors, niveau tissu, je ne vais pas vous en dire plus parce que je vous laisse tout d'abord visionner les étapes de création et nous nous retrouvons comme d'habitude pour les éventuelles difficultés, les astuces et faire le point sur les explications techniques de couture qui vont vous permettre de mener à bien votre projet. On se dit à tout de suite.
constaté, c'est un sac qui se fait très facilement. Vous pouvez vous amuser à réaliser plusieurs modèles en collant différents tissus à l'intérieur du sac, comme un tissu fleuri ou géométrique et pourquoi pas du tissu wax. Alors nous, on a mis un tissu japonais avec des petites libellules dessus, elles sont bleues et ça ressort vachement bien sur le sac, c'est un bleu nuit et je pense que vous pouvez voilà, adapter avec une belle couleur, refaire l'intérieur et vous allez voir que votre sac tote bag fera toute la différence avec cette jolie doublure à l'intérieur. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de faire au préalable un essai sur un bout de tissu pour voir si vos deux tissus adhèrent bien ensemble. Comme ça, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de surprise. Et si jamais le projet il ne convient pas à ce tissu, vous ne l'avez pas abîmé et vous pouvez utiliser un autre tissu ou rechercher le tissu qu'il vous faut. Donc c'est vrai que notre simili-cuir, il est particulier. Donc la surface, elle est cotonneuse. C'est cette surface qui permet au simili-cuir et aux deux tissus, donc le coton et votre tissu simili-cuir avec sa surface cotonneuse, pour pouvoir se coller donc très facilement. Je vais vous montrer ça tout de suite et je vais faire un zoom sur la matière, comme ça vous pouvez au moins vous faire une idée, parce que vous avez toutes sortes de tissus simili-cuir. Il y en a qui sont très lisses sur leur surface, il y aura une surface plutôt rugueuse et voilà, donc il faudrait faire attention. Alors j'ai pu trouver un bout de tissu et vous voyez que la surface, elle est alors je sais pas si vous voyez bien, peut-être vous voyez la surface, elle est, on a un peu des bouts de fil comme ça qui s'enlèvent un peu comme un coton. Vous pouvez bien évidemment passer cette étape et coudre votre sac sur l'endroit sans avoir à coller une doublure. Et si vous souhaitez réaliser des sacs avec doublure, je vous mets le lien juste au-dessus et je vous souhaite une agréable journée en vous disant à très bientôt pour un nouveau tuto.